Merci beaucoup pour l'accueil. Donc, en effet, le sujet que je vais aborder aujourd'hui, deux sujets principaux, deux thèmes dont je veux parler, c'est la croissance d'un côté et la qualité de l'autre. Et surtout, comment est-ce qu'on fait en sorte de réussir à faire les deux en même temps. Donc, en effet, en fait, quand vous êtes seul, faire de la qualité, c'est pas compliqué. Ne pas faire de qualité, juste faire entrer des gens dans votre équipe, c'est pas non plus très compliqué. Il suffit d'avoir des fonds qui ont les poches un peu profondes. En revanche, réussir à faire les deux, continuer à grossir et toujours apporter plus de valeur à vos clients, avoir un produit de qualité, ça c'est un petit peu plus compliqué. Mon objectif aujourd'hui, c'est de vous expliquer comment on réconcilie les deux chez Conto et comment on le fait en s'inspirant très fortement de quelque chose qui s'appelle le TPS, le Toyota Production System. Et comme vous pouvez le deviner, ça vient du fabricant de voitures Toyota. Et j'essaie de vous expliquer comment est-ce qu'on peut faire la passerelle entre ces deux mondes. Donc c'est les thèmes qu'on va aborder. On va parler de licorne également. Le titre parle de produits. On parle de produits, je suis Chief Product Officer dans une boîte qui fait du web. Mais ce que je vais vous raconter, ça s'applique en fait à tout type de production, que vous soyez en train de produire des services physiques ou non, que ce soit du customer support, que ce soit du HR, peu importe. À partir du moment où vous essayez de mettre des personnes dans une même équipe pour produire de la qualité, a priori, ce dont je vais parler pourra s'appliquer. Avant de rentrer dans ce sujet-là, vous présenter rapidement ce que fait Conto. Donc, Conto, on crée le compte professionnel qui booste votre business. Concrètement, on propose une solution à l'ensemble des entrepreneurs européens. C'est notre ambition. On leur propose une solution pour gérer leurs finances au jour le jour. Donc, toutes les capabilities pour gérer vos finances avec des fonctionnalités bancaires simples. Et par-dessus, on essaye de fournir un outil tout en un qui vous permet de tout gérer au même endroit. Gérer votre comptabilité, gérer votre trésorerie, votre cash flow management, faire votre expense management, donc comment est-ce que je décentralise mes dépenses quand mon entreprise est en train de grossir. On veut tout fournir sous le même toit pour faciliter la vie des entrepreneurs. Trois piliers qui assurent la qualité de ce qu'on fait en permanence, qui est au centre, absolument au centre de tout ce qu'on fait chez Conto. On veut un killer product, on veut un support exceptionnel, et enfin, on fait tout ça à un fair price. Le fair price, ce n'est pas le prix le moins cher possible, c'est qu'est-ce qui est fair par rapport à la valeur qu'on apporte. C'est les trois piliers qui font la qualité de notre service. Ça marche plutôt bien depuis qu'on a lancé en 2017. On est passé de quelques clients à plus de 250 000 clients. On est passé d'un marché, la France, à 4 marchés. On a rajouté l'Italie, l'Allemagne et l'Espagne. Et vous avez peut-être entendu parler de nous récemment, puisqu'on a, on a annoncé en janvier une levée de fonds d'environ 500 millions d'euros. Donc du coup, ça grossit vite, c'est chouette. Les équipes grossissent avec. Ça, c'est l'évolution des effectifs de l'équipe tech et produits seulement. Conto global, si on prend l'ensemble des personnes qui travaillent avec nous, c'est plus de 1000 personnes. Et on se rapproche de 400 personnes qui sont purement sur la tech et le produit. C'est-à-dire qui travaillent sur les applications mobiles, sur l'application web, et qui travaillent à développer des nouveaux produits et à améliorer les produits existants. Du coup, c'est chouette, ça grossit, c'est très bien, ça grossit très très vite, mais quand on grossit, ça pique. Ça pique très fort. Je ne sais pas si parmi vous, il y a des gens qui ont déjà scalé des équipes. Scaler, je ne parle même pas de passer de 2 à 500, je parle de passer de 2 à 4, de 4 à 10. Ce qui se passe, c'est toujours la même chose. C'est toujours les mêmes verbatims qu'on a de la part des managers, de la part des founders. Je ne comprends pas, on est 3 fois plus et on ship 2 fois moins vite. Je ne comprends pas pourquoi les gens travaillent sur ce sujet, ça n'a pas de sens. Mais pourquoi cette personne-là a fait ça, c'est complètement absurde. Des verbatims comme ça, j'en ai eu des tonnes. Avant de rejoindre Conto, j'accompagnais des fondateurs de start-up et de scale-up sur comment justement grandir très vite tout en gardant de la qualité et surtout tout en continuant à shipper cette qualité rapidement. Et j'avais toujours ces verbatims. Donc du coup, la bonne nouvelle, c'est que si jamais vous avez l'impression d'être dans cette situation-là, quel que soit votre rôle, ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas seul. Tout le monde ressent ça. Du coup, la grande question, c'est comment est-ce que nous, on fait chez Conto pour éviter de tomber là-dedans? Et là-dedans, c'est ce qu'on appelle la big company disease. Comment on ne devient pas grand avec plein de process, plein de bureaucratie, où en fait, on finit juste par avoir une seule métrique, c'est le nombre de personnes qu'on a, et tout le reste s'écroule. Notre solution à ça, c'est quelque chose qu'on appelle le Conto Way. Le Conto Way, c'est notre manière
de penser l'entreprise, de penser les interactions entre les gens et de penser notre système pour grossir en mettant le client au centre. Ce Compto est là, pour ceux qui connaissent quelque chose qui s'appelle le Toyota Production System, il est très très fortement inspiré du Toyota Production System. Vous voyez peut-être des mots que vous connaissez, des principes de just in time, de right first time, qui sont des principes qui viennent directement de Toyota. Alors, j'ai un peu réfléchi à comment je peux vous présenter The Compto Way. Et en fait, si je commence à essayer de vous présenter les différents principes, ça va être absolument ennuyeux. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais vous prendre trois pratiques très concrètes que j'utilise, que les autres managers chez Compto utilisent, pour justement craquer le problème que j'énonçais au début. Et avant de faire ça, avant de vous montrer ces trois pratiques très concrètes, je vais essayer de casser une misconception, une préconception qu'on a tous, ou que j'ai vu beaucoup de gens avoir, sur quelle est la première approche à avoir quand on commence à faire grandir une équipe. Et je vais commencer par une citation de ce monsieur-là, qui s'appelle Taishi Ono. Taishi Ono, c'est un ingénieur de Toyota qui a formalisé le Toyota Production System sur les lignes de production de Toyota dans les années 50. Toutes les choses que vous avez pu apprendre à l'école sur le toyotisme, le just-in-time, le zéro stock, etc., ça vient de cette personne-là. On ne le connaît pas, mais il a fondamentalement changé la manière dont les usines fabriquent depuis 60 ans. Et ce qu'il dit, et qui va à l'inverse de ce que beaucoup de gens pensent de l'industrie et surtout de Toyota, c'est que les gens ne viennent pas, et les résultats ne viennent pas de gens qui travaillent beaucoup, ils viennent de gens qui réfléchissent. Un de leurs slogans, c'est « Good thinking, good product ». Si on pense bien, si on a des gens qui pensent bien, qui sont intelligents et qui utilisent leur cerveau, alors on aura des bons produits à la fin. Et ce qui est intéressant, c'est que la préconception que ça casse, c'est qu'en fait, ce n'est pas les process qui vont vous faire grandir. Donc là, c'est le point le plus important. Si vous devez retenir une chose de ce que je vais raconter, c'est ça. Ce que j'ai vu un nombre incroyable de fois, c'est des fondateurs de start-up qui viennent me voir et qui me disent « Marc-Antoine, on est 30 dans notre équipe tech et produit, on est en train d'essayer de mettre en place des process pour que ça aille plus vite, on ne sait pas faire, quels sont les process à mettre en place ?» Et la première chose à faire, c'est de se dire « ce n'est pas ça qui va faire scaler votre entreprise. Pourquoi ?» Parce que les process, ça ne scale pas. Le savoir et les personnes scale. Concrètement, je ne sais pas si parmi vous, il y a des gens qui ont déjà essayé de mettre en place des process. On a tous essayé, donc on est deux personnes dans l'équipe, 50, 100, 200. On essaie de mettre en place des process. Et c'est la chose la plus difficile et qui consomme le plus d'énergie au manager. Vous allez réfléchir à votre process, vous allez le mettre sur papier, c'est joli, c'est super, ça vous excite, c'est vraiment un truc, on va le mettre en place. Vous essayez de le mettre en place et là vous prenez des murs, mur sur mur. Les gens qui ne comprennent pas, les gens qui vous challengent. Le process qui en fait n'est pas adapté à la réalité. Et après avoir mis beaucoup d'énergie pour réussir à le mettre en place, ce qui se passe, c'est que dès le jour d'après, il y a de l'entropie. Le lendemain de la mise en place de votre process, il s'est déjà dégradé un peu. Et la demi-vie d'un process, elle est très courte. Au bout d'une semaine, vous avez 50% du process qui a disparu parce que, en fait, les gens ne l'appliquent pas, parce qu'ils ne le comprennent pas, parce qu'ils vont faire de la résistance pour des bonnes ou des mauvaises raisons. Et donc, votre process va se dégrader. Le seul moyen de le maintenir, c'est de mettre énormément d'énergie dedans. Si vous êtes dans cette situation-là, si vous avez mis en place un process et que vous vous battez chaque jour pour qu'il reste en place, du coup, vous savez très bien de quoi je parle. Et c'est classique. Et en fait, le problème de ça, c'est que du coup, votre travail de manager, ça devient un travail de maintien des process. Et cette définition-là, c'est exactement la manière dont on définissait la bureaucratie, la manière dont les philosophes et les sociologues ont défini la bureaucratie quand il s'agissait de la théoriser à la fin du 19e siècle. Donc Max Weber, par exemple, il disait « la bureaucratie, c'est simple, quelques points, on surspécialise les rôles, j'ai bien mes techs, j'ai ceux qui font de la QA, j'ai ceux qui font du product, j'ai ceux qui font de la user research, on découpe au maximum, on crée des règles très claires sur quel est le scope de chacune de ces personnes, on embauche les personnes qui sont spécialisées dans ce rôle-là, et le manager est là pour faire maintenir les règles. » Et quand on n'y arrive pas, on commence à embaucher des gens qui sont là pour faire maintenir les règles. Si vous avez récemment embauché un Scrum Master, un coach agile, avec l'idée de « Ah, il va mettre en place des process et il va permettre de tenir
ces tech et ces products qui n'en font qu'à leur tête, vous êtes dans ce monde-là. Et vous allez continuer à dépenser l'argent de votre entreprise pour tuer les cerveaux des gens, pour maintenir vos règles. De l'autre côté, si vous apprenez quelque chose à quelqu'un, la personne, elle le sait. Et elle va le garder en tête. Elle va l'appliquer dans son travail au jour le jour. Si vous créez une fois un savoir et que vous voyez dans les yeux de la personne que vous lui avez appris quelque chose, alors elle va le garder dans le temps. Ça demande un petit peu d'entretien, mais elle va le garder dans le temps. Ça se dégrade beaucoup moins vite qu'un process. Et en plus, ça scale et c'est exponentiel. Parce que quand quelqu'un a appris quelque chose, il va aller déjeuner avec ses collègues, PM, tech, designer, et il va leur raconter. Et le savoir, il va se répandre. Donc en fait, si vous voulez scaler, le premier truc à faire, c'est d'arrêter de penser process, c'est de regarder les personnes et de commencer à penser connaissance, savoir. Donc pour le moment, c'est assez haut niveau, mais c'est vraiment le changement de perspective important à avoir en tête pour comprendre la suite. Donc maintenant, je vais vous donner trois pratiques très concrètes de comment est-ce qu'on fait ça chez Conto. La première, c'est bad news first. Ça paraît évident, peut-être plein de personnes qui disent que c'est déjà le cas, mais vous voulez créer une entreprise où les interactions sont orientées autour des problèmes. Ça fait un peu peur, dit comme ça, mais en fait, c'est ce que vous voulez faire, parce que si vous voulez créer du savoir, ça va être en allant résoudre des problèmes. Si vous ne voyez pas de problème, si vous ne parlez pas des problèmes, vous ne parlez pas de connaissances, vous ne parlez pas de savoir. Parce qu'un problème, c'est l'opportunité d'apprendre. Donc du coup, que ce soit sur vos outils, donc on peut parler de Kanban, on peut parler de n'importe quelle chose que vous utilisez visuellement pour orienter votre équipe, ou que vous parliez des interactions avec votre équipe, parlez des problèmes. Là, je vous ai mis quelques exemples. C'est l'exemple d'un Kanban, c'est l'exemple d'un supermarché. Je ne rentre pas dans le détail technique, mais ce que vous pouvez voir sur ces cartes-là, c'est ce que utilise l'équipe tous les jours, c'est qu'on voit des problèmes. On a des gros gyrophares qui remontent et qui disent « Hey, il y a un souci ». Et ce souci-là, c'est le signal pour le manager d'aller parler à la personne et lui dire « Ok, en fait, pourquoi est-ce que tu n'as pas atteint ta due date ?» Pourquoi est-ce qu'en fait, on a un problème de qualité ? Donc par exemple, sur un des Kanban en haut, c'est un problème de « J'ai une due date à tel jour et en fait, je suis en retard ». En dessous, c'est « J'ai mis tel succès sur ma fonctionnalité et ma fonctionnalité n'a pas mon succès ». On y va et on essaye de comprendre pourquoi. Tout est orienté là-dessus. Et du coup, c'est compliqué. C'est compliqué parce qu'il y a des personnes qui cachent les problèmes. Et ce qu'il faut savoir, la règle la plus importante, c'est que le plus gros des problèmes, c'est de ne pas avoir de problème. Le jour où vous avez une interaction avec quelqu'un et qui vous dit qu'il n'y a pas de problème dans son équipe, il vous cache les problèmes. C'est sûr. Soit vous ne savez pas les voir et vous ne savez pas les lui montrer, soit il vous les cache. Pas avec des mauvaises intentions, c'est juste un process de défense classique. Mais il y a toujours des problèmes à aller chercher. Et nos problèmes, is a problem. Et c'est le pire d'entre tous. Et voilà, donc c'est cette culture-là qu'il faut réussir à créer. Et évidemment, ça passe par récompenser les gens qui vous montrent les problèmes et pas les gens qui vous montrent des belles vitrines. J'ai plein de fois des moments où je vais sur le terrain, je parle aux personnes et je dis « Ok, tout va bien ?» Ils me disent « Oui, bien sûr, tout va bien. » On regarde leur Kanban, on regarde ce qui se passe. Et ils essayent de me montrer que tout va bien. Et en fait, on est obligé de creuser, poser des questions jusqu'au moment où on voit que ça ne va pas. Donc par exemple, si jamais tout le monde est en train d'atteindre ses due dates quand ils sont en train de travailler sur une feature, il y a un problème. On pourrait dire c'est cool, tout le monde ship on time. Non. Parce qu'en fait, ça veut dire que votre mouvement de manager, ça doit être dire « Ok, la prochaine fois, la due date, on divise par deux. » Le dark side de ça, c'est de le prendre comme un outil pour aller plus vite. C'est pas ça. La pratique, c'est de mettre le niveau de challenge pour que vous créiez un environnement où on voit les problèmes. Parce qu'en fait, ce que vous allez faire derrière, c'est apprendre à la personne à aller plus vite. Et c'est ça. C'est pour ça qu'on vient travailler. Comment est-ce que je fais de la meilleure qualité, de plus en plus vite? Comment je deviens meilleur dans mon travail? Donc ça, c'est la culture bad news first. Montrer les problèmes. Et c'est votre rôle en tant que manager, même en tant qu'individual contributeur, si vous travaillez sur quelque chose, de vous créer les situations pour que vous voyez les problèmes qui sont en train d'arriver. Et de créer la chaîne d'entraide avec votre manager pour venir le résoudre quand il y a un problème.
Donc ça, c'est le premier principe. Et c'est un principe fondamental parce que si vous n'avez pas ça, tout ce dont je vais vous parler après, ça ne marche pas. Deuxième principe, le Gemba Walk. Gemba, c'est un mot japonais dont la traduction très approximative, c'est « là où est la vérité ». Le Gemba, c'est une pratique de manager qui a été inventée par Taishi Ono, qui consistait à emmener les managers sur le terrain. Mais pour de vrai. Ce que faisait Taishi Ono, il prenait ses managers, il les sortait des bureaux, il les emmenait sur la ligne de production, devant un travailleur, devant un ouvrier, il traçait sur le sol un cercle à la craie, il les mettait dedans, il leur disait « tu sors pas de ce cercle tant que t'as pas trouvé comment aider la personne ». Vous aviez des managers qui étaient dans des cercles, comme ça, et qui regardaient les personnes. C'est ça le Gemba, c'est aller regarder. Qu'est-ce que ça veut dire dans notre industrie? C'est, moi personnellement, je fais très peu de 101. Je fais pas ça. Je fais que des Gemba. J'ai entre 16 et 20 heures de Gemba par semaine. Je me mets avec mes managers, je me mets avec quelqu'un qui est en train de travailler sur une feature, peu importe, un design, une spec, ça a peu d'importance. Et je leur dis, ben, montre-moi. Et on regarde ensemble et on discute. Et ce que j'essaye de faire à chaque fois, c'est deux choses. Je résous un problème, je le fais avec lui. Ok, bon, en fait, là, tu es en train de bloquer là-dessus, viens, on le met en donne. Et le deuxième point, c'est que j'essaye de voir ce qui fait que la personne avait un problème et ce que je peux lui apprendre. Et je vais sur le terrain, et je mets un problème en donne et je lui apprends quelque chose. Et ça, c'est clé. Quand vous voulez scaler, votre première approche, ça va être de vous dire, je vais réfléchir à comment je scale. Et c'est là que vous allez commencer à vous planter. Si vous voulez scaler, ne pensez pas au scale. Vous allez sur le terrain tout le temps, tous les jours, vous résolvez un problème, vous apprenez une chose. Si vous faites ça, votre boîte, elle va passer à l'échelle. Votre boîte, elle ne va pas créer des process, elle va créer des gens qui sont capables de faire du bon travail au jour le jour. Dans l'équipe produit chez Conto, on a une vingtaine de personnes dans l'équipe de leadership. Donc, des gens qui sont lead, head of, director, etc. Je n'attends pas d'eux qui me sortent une nouvelle grande idée tous les mois. J'attends de ces 20 personnes que chaque jour, elles aillent sur le terrain et chaque jour, elles résolvent un problème et elles apprennent une chose à la personne avec qui elles travaillent. Imaginez la différence entre j'ai 20 personnes qui me sortent une grande idée de temps en temps et j'ai 20 personnes qui tous les jours résolvent un problème. Là, ça scale. Donc, il ne faut pas penser des grands plans stratégiques. Il faut aller sur le terrain et faire les choses. Ça, c'est la pratique du Gemba, c'est la pratique la plus fondamentale du manager, et c'est ce sur quoi on entraîne les gens en permanence. J'insiste sur ce point, quand vous êtes manager, vous devez régler des problèmes, vous devez avoir l'œil gauche qui regarde le problème et l'œil droit qui regarde la personne. Ça, c'est extrêmement important. Vous réglez le problème, pourquoi ? Pas pour régler le problème. Pour que la personne elle ait envie que vous reveniez faire la même chose avec elle le jour d'après ou la semaine d'après. Une fois de plus, comme c'est question de bad news first, c'est une question de la confiance que vous allez réussir à créer avec les personnes. Et pareil, ce n'est pas du process, c'est vos interactions au jour le jour. Vous réglez le problème pour lui enlever une épine du pied. Et vous, ce que vous faites en même temps, c'est que vous regardez ce que vous allez lui apprendre en reusable knowledge. Le reusable knowledge, c'est quelque chose qu'on utilise, c'est un terme qu'on utilise chez Conto souvent, c'est le savoir réutilisable. Comment est-ce que je lui théorise ce que la personne ne sait pas faire, pour que, du coup, elle sache, à partir de maintenant, comment regarder les choses. Toujours regarder la personne, toujours, toujours, toujours. Ça, c'est le deuxième point. Et la réalité, c'est que vous avez quand même besoin de mettre un peu d'effort pour maintenir ce savoir dans le temps. Il y a besoin. Le savoir, ça se dégrade aussi légèrement, beaucoup moins qu'un process, ce que je disais, mais ça se dégrade. Et donc, du coup, la question, elle est comment est-ce que vous arrivez derrière à maintenir ce knowledge et à continuer à l'accumuler. Et ça, c'est la partie de training sur laquelle on insiste beaucoup chez Conto. Dans mon équipe produit, j'ai deux personnes qui passent presque 100% de leur temps à mettre en place des trainings. Le training, ce n'est pas un grand cours en salle, ce n'est pas de la théorie. Le training, c'est un expert qui est allé sur le terrain, qui a fait du Gemba et qui a vu quelles étaient toutes les misconceptions de l'équipe qui revenaient. Par exemple, récemment, on a travaillé sur comment bien définir le succès d'une fonctionnalité. On a fait une vingtaine en quelques jours, toujours avec les personnes, et on a vu en fait
qu'il y avait trois choses, trois misconceptions que les personnes avaient. Je ne vais pas les lister, mais en fait, elles pensaient quelque chose sur ce qui était un succès et ce n'était pas la bonne chose. Et en fait, toutes ces misconceptions-là, c'est ce qui va derrière alimenter notre training. Et donc, on crée un training avec quelqu'un qui vient vous expliquer quelles sont les erreurs classiques, qui vous montre comment est-ce qu'on fait, qui vous donne un travail à faire à la maison, et qui, une semaine après, revient avec vous et vous remontre le geste pour vous corriger. Dans le monde de Toyota, ça s'appelle un dojo, et c'est une pratique clé pour justement entretenir ce savoir et le propager le plus possible. Il y a cette citation qui est intéressante. Pareil, dans le monde de la manière dont les managers appréhendent les choses à la base, si vous avez déjà ressenti « mais je ne comprends pas comment cette personne n'est pas capable de faire ce geste-là, n'est pas capable d'écrire un email correctement, n'est pas capable de faire cette chose-là qui vous paraît évidente », en fait, c'est que vous ne l'avez pas trainé. Vous ne pouvez pas vous étonner. Parce qu'en fait, le moindre geste demande un training, même minimal. Et votre rôle de manager, votre rôle d'expert, votre rôle, peu importe ce que vous faites, c'est d'aller former ces personnes. Vous ne pouvez pas attendre une personne qu'elle sache quelque chose si vous ne l'avez pas formée vous-même. Et vous voyez la différence avec la bureaucratie. J'embauche quelqu'un qui sait déjà faire le job ou que je crois qu'il sait déjà faire le job, versus je prends quelqu'un en fait qui a envie d'apprendre et je mets en place un système de formation pour que les personnes montent en puissance. Donc, si vous faites grossir votre équipe et que vous n'êtes pas en train d'investir sur du training, si vous êtes en train de faire grossir votre équipe et que vous êtes en train de vous demander comment est-ce que je mets des process en place pour qu'ils travaillent mieux, si vous êtes en train de faire grossir votre équipe et que dès que quelqu'un vous montre un problème, vous vous énervez et vous lui tapez dessus, alors du coup, vous êtes probablement en train de regarder la scalabilité de votre boîte avec le mauvais angle. La manière dont je pense qu'il faut regarder ça, et qui a fonctionné en tout cas chez Conto, c'est de regarder les problèmes, aller sur le terrain les résoudre et ne pas se poser la question de savoir ce que ça a comme impact sur la stratégie. Et c'est ensuite de créer ces formations. Je vous ai mis quelques résultats pour vous montrer. Donc ça, c'est le INPS, c'est la satisfaction sur 100 de l'équipe produit. Deuxième point, c'est alors qu'on grossit, en un an, un peu plus d'un an, on a diminué de près de 50%, on a presque divisé par deux les contacts par client. Donc on a de plus en plus de clients, de plus en plus de fonctionnalités, donc de possibilités de création de tickets. Et pourtant, nos clients nous contactent de moins en moins parce qu'en fait, le produit fonctionne de mieux en mieux pour eux. Et enfin, je parlais du fait que chaque fonctionnalité chez nous a un succès. En quelques mois de travail, en étant concentré sur ce sujet, toute l'équipe, on regarde les succès, on les définit et on atteint nos succès, on a multiplié par deux le nombre de nos fonctionnalités qui sortent et qui atteignent le succès qu'on leur avait défini. Et je vous assure que derrière ça, il n'y a aucun process. C'est tout pour moi.